Shalom la grande famille de la chaîne Prophétesse Clozel officielle, bienvenue sur notre chaîne. Si tu es nouveau, nouvelle, je te dis bienvenue et j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, l'Éternel est assis sur son trône, l'Éternel est vivant, il va énormément te faire du bien, il va énormément te faire rire. Alors cette recette va t'aider à dégonfler ton ventre en seulement 48 heures. De quoi auras-tu besoin? Nous aurons besoin du gingembre, nous aurons besoin de curcuma, nous aurons besoin de la cannelle. Alors je vais t'expliquer. D'abord pour le curcuma, tu dois savoir, le curcuma est vraiment une richesse en antioxydants. Le curcuma est exceptionnellement l'une des plantes, des 5 plantes les plus puissantes en antioxydants au monde. Très loin devant plus plusieurs épices, fruits, plantes, légumes. Il est principalement composé de curcumine, qui est un très puissant antioxydant et qui lui confère des propriétés médicinaux, beaucoup de propriétés médicinaux. Il est un antidépuratif de sang, protectrice de foie, cicatrisante. Il aide au dégonflement des intestins. Il est un anti-inflammatoire. Généralement, il prévient aussi actuellement le cancer. C'était puissant. Il faut savoir également que le curcuma est riche en curcumine. Le curcumine est un très bon composant, ça aide en fait, c'est un anti-inflammatoire, il régénère la peau, il va t'aider à dégonfler et à faire sortir des graisses que tu as gardées dans ton ventre ou alors des gaz qui font que ton ventre puisse se gonfler. On aura besoin du gingembre. Tu ne dois pas oublier que le gingembre vraiment, vraiment, vraiment a beaucoup de propriétés. Ce n'est plus à présenter parce que le gingembre va t'aider aussi à dégonfler ton ventre. Le gingembre, c'est aussi un anti-inflammatoire. Le gingembre a beaucoup de composants. Comme je le dis toujours, il n'a pas beaucoup de vitamines, mais le gingembre a quelques vitamines, dont le vitamine B1, B2, B3. Et puis, il a aussi les vitamines C. Mais par contre, il a beaucoup d'huiles essentielles qui sont lipides, protéines, glucides et assez et vraiment en grande quantité, si je peux dire ainsi. Et nous aurons aussi besoin du cannelle. Et cannelle aussi est un bon produit, ça va vraiment t'aider. C'est un bon allié minceur, ça va t'aider à perdre du ventre, ça va t'aider à dégonfler le ventre. Les cannelles va t'aider en fait à faire sortir les gaz que tu as accumulés dans ton ventre. Alors comment tu vas procéder? Tu fais bouillir de l'eau, tu vas y ajouter, quand l'eau est à ébullition, tu y ajoutes le curcuma ainsi que le gingembre en même temps. Tu attends 5 à 10 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Tu y ajoutes la cannelle. Tu vas attendre que la cannelle puisse bouillir un peu. Après, tu éteins le feu. Une fois que tu éteins le feu, tu finis. Tu fais quoi? Tu fais comme tu es en train de me voir faire. C'est-à-dire, tu vas passer par le passoir. Tu vas laisser l'eau se tiédir. Ceci est un très bon, très bon, très bon produit. Ça va vraiment t'aider vraiment à dégonfler ton ventre. Ça va t'aider à enlever la lourdeur, la fatigue dans ton corps. Ça va t'aider à faire sortir les gaz que tu as accumulés depuis des années. Ça va vraiment t'aider. Juste ce que je te demande, n'oublie pas de partager, d'aimer et surtout de pratiquer. 48 heures seulement, ça suffit, ce n'est pas beaucoup. Alors mets ceci en pratique, tu viendras témoigner pour la gloire de Dieu. Je vous aime beaucoup. Alors je te dis quoi? Shalom, shalom, shalom et merci d'avoir regardé. À plus, bye. Et surtout, n'oublie pas de partager, s'il te plaît. Au revoir.